écoutez, moi je trouve que quand on prône de plus en plus le tourisme de nature et les activités qui s'y réfèrent, on est heureux de voir que tout un public de Loire-Léon s'est mobilisé pour ce grand événement. Pendant un week-end où les gens seront très présents et pourront en profiter dans un esprit famille et puis qui rassemble une 500aine de bénévoles, et ça c'est formidable. Bonjour à tous, alors bienvenue dans notre petite commune de Fédanjou, n'est-ce pas mon bon bourgmestre? Vous êtes ici en plein cœur du Léon, donc si c'est la Trans-Léon, bah, vous voyez que le Léon, on le découvre d'un petit peu partout. On voit tous nos amis voisins de chaque commune. Alors ici, vous êtes sur le site de Fédanjou du Moulin de la Pinçonnerie. Nous avons la chance, vous avez la chance ce soir, grâce à la Trans-Léon, d'être sur ce site absolument admirable. Un paysage immense, nous, humbles mortels, devant la beauté de la création. Ce soir, le pays se met en mouvement. On l'a vu qu'il se mettait en mouvement physiquement, mais je pense que ça va au-delà de ses déplacements physiques. Merci. Un verre, un sandwich. Oui, parfait. Ça va très bien. Très bien, super, super discours. Les gens sont très intéressants, motivés. Et pour l'avenir, je pense qu'il y a... Ça inaugure quelque chose de pas mal pour les 4 jours, là. Ouais, super. Donc là, on remet un lot donc, à chaque participant, qui comprend donc un t-shirt, elle, pour madame. Oui, merci. Une casquette. Casquette du Conseil Général. Super. Un stylo du Courrier de l'Ouest. Et donc le guide de la Trans-Léon, voilà. Donc, madame, il paraît contre le soleil qui va y avoir pendant 3 jours, un t-shirt blanc qui en...